בוקר טוב רבותיי, לעילוי נשמת הנפטרים ולעילוי נשמת אירן בואנה-וידה, רנה בת נצחיה. Alors regardez la dernière partie de la Mishnah que Yitzhak vient de lire. Alors on parle de l'importance de la Brit Mila. Alors il dit tout d'abord, Rabbi Ishmael Omer, on parle de l'importance de la Brit Mila. Gdola Mila, שנכרתו עליה 13 בריתות. Quand Hashem il a parlé à Abraham Avinu de faire la Brit Mila, c'est marqué là-bas 13 fois le nom Berit. Berit veut dire l'alliance. Et c'est marqué 13 fois Zot Beriti, Ot Beriti, 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 13 fois pour nous dire que l'alliance la plus grande qu'on peut faire avec Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la Brit Mila. Et pourquoi 13 fois? Hein? Les 13 attributs de Hakadosh Baruch Hu, comme on dit El Rahum Vehanun Erechapaim Gdol Hased, etc. Il y a les 13 midot de Hakadosh Baruch Hu et les 13 fois où c'est marqué la Brit Mila. Rabbi, l'alliance de la Brit Mila. Rabbi Yossi Omer Gdola Mila, chez Dohaita Shabbat Hamura. Même le Shabbat qui est. On ne doit pas faire ce genre de choses parce que tu fais une blessure, tu fais couler le sang. Alors qu'on aurait pu pousser la Brit Mila pour le lendemain. Hein? Hein? Pour dimanche. Pour pousser, on aurait pu pousser la Brit Mila pour le lendemain. Mais non, si c'est Yom HaShmini, Afilou be Shabbat, va Afilou be Yom Kippour. Si par exemple quelqu'un. Hein, si quelqu'un, hein, moi j'ai eu le privilège de faire une Brit Mila Yom Kippour ici, oui, ici, oui, une fois ici, un autre Yom Kippour, j'ai marché avec le père et on l'a fait au Jewish. Après Mincha, j'ai pris une heure et on a fait la Brit Mila. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, Gdola Mila, Shelo Nitla Lo Le Moshe Atzadik Aleha Atz Meloshaa. Ça veut dire la vie de mon cher Abbeno, elle était Bessakana. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila à son fils. Hein? Il a pris le temps. Pourquoi il s'est tardé? La Barachi, il explique. Parce que Hachem, il lui a dit d'aller dire au peuple d'Israël que voilà, le moment de votre libération, le processus du moment de la libération est arrivé. Alors il a dit, si je vais faire la Brit Mila, je ne peux pas voyager juste après, c'est un sakana pour le bébé. Alors, mais sa femme l'a fait. Ah voilà, alors c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La vie de Moshe Rabbeinu, elle était en danger. C'est marqué là-bas, Vaïv Gashéou, Vaïv Akesh Hamito, comme un ange. Il voulait le tuer. Pourquoi il voulait le tuer? Parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila à son fils. Il a, ça veut dire la Torah, elle dit le huitième jour, et Moshe Rabbeinu, il a pris un peu plus de temps. On dit qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila pendant les 40 ans dans le désert. Ah, oui, oui. Juste la première année quand ils ont fait Korban Pessah. Alors, Gdola Mila Shelo Nitla Lo Le Moshe Atzadik Aleha Meloshaa, le Malach, il voulait tuer Moshe Rabbeinu. Et qui a compris le message que c'était à cause de la Brit Mila? C'était sa femme. Sa femme, la femme, elle comprend plus rapidement que l'homme. Hein? Alors, elle a fait la Brit Mila. Ok, alors ça veut dire que même Moshe Rabbeinu, le grand tzaddik, Hachem, il ne lui a pas pardonné parce qu'il n'a pas compris que la priorité des priorités, c'est quoi? C'est la Brit Mila. Rabbi Nehemiah Omer. Gdola Mila chez Dohaïta Negaim. Vous savez, autrefois, quelqu'un qui avait Negat, Sara'at, hein? Alors, il ne fallait pas qu'il touche la plaie. Mais là, même s'il y a une plaie là-bas, de Tsara'at, on doit faire la Brit Mila. Mais en réalité, de nos jours, non. Quand si le bébé il est malade, ou il a une plaie, on ne fait pas de Brit Mila parce que c'est une sakana. Ok. Rabbi Omer, Gdola Mila. שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל. Hein? Attends deux minutes, on va faire le Kaddish. Alors il dit, Abraham Avinu, parce qu'on a dit,
Ekev asher asher shama Avram bekoli. Avram Avinu, il a accompli les mitzvot de la Torah avant qu'il soit donné. Hein? C'est marqué là-bas. Ekev asher shama Avram bekoli vaishmor mishmarti mitzvotai hukotai vetorotai. Il a accompli tous les mitzvot Avram Avinu, mais il n'a pas été considéré shalem. Ça veut dire parfait. Tant qu'il n'a pas fait la brite. Ça veut dire à quel âge il a fait la brite, Mila, on a dit 99 ans. Avraham Avinu, il a fait la brite Mila. Et il a eu Yitzhak à l'âge de 100 ans. Et Sarah Imenu, elle avait quel âge? Elle avait 90 ans. Alors Avraham Avinu, jusqu'à l'âge de 99 ans, malgré qu'il était un héros extraordinaire, il a rapproché l'humanité, il convertissait lui et sa femme. Avraham, il convertissait les hommes et Sarah, elle convertissait les femmes. Il n'a pas eu le titre de Shalem. Vous savez c'est quoi Shalem? Shalem veut dire tu es parfait. Ça veut dire tant qu'on ne fait pas de Brit Mila, on n'est pas parfait. D'ailleurs, c'est pour ça que la Halakha, elle exige qu'avant de donner le nom à l'enfant, il faut d'abord lui faire la circoncision. Ça veut dire on lui donne pas le nom, alors qu'une fille on peut lui donner le nom dès le premier jour, hein? Alors que le garçon on doit attendre parce que tant qu'il n'est pas circoncis, il n'est pas considéré complet. Chez Nehemar, Hithalech lefanei Hashem, il a dit Abraham, marche devant moi, ça veut dire suis mes commandements, vehevet tamim. Et soit parfait. Ça parle quand il a fait la Brit Mila. Et c'est ça, regardez, ces deux mots, Hithalech lefanai. Ça, c'est la différence entre Avraham et Noah. Pourquoi la religion, elle commence à partir, notre religion, elle commence à partir de Avraham? Parce que Avraham, Hithalech lefanai, il marchait devant Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, il marchait devant Hachem? Sans que Hachem, il lui demandait quoi faire, il comprenait de lui-même que c'était la bonne chose à faire, hein? Alors c'est ça, Hithalech lefanai. Alors l'initiative. Ça veut dire c'est ça, il prenait l'initiative de faire des choses qu'il savait que Hachem il allait apprécier, hein? Alors que Noah, on dit il ne voyait pas plus loin que son nez, hein? Hachem il lui dit monte dans la teva, monte, tes enfants ils vont être sauvés, merci. Ça veut dire il n'a rien fait de lui-même pour l'humanité. Juste ce que Hachem lui disait de faire, il écoutait. Mais ça, ce n'est pas considéré un tzaddik. Dans notre religion, un tzaddik, il doit initier des choses. Il ne doit pas attendre qu'on lui demande de qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Un homme hacham et un homme qui est communautaire, il doit prendre l'initiative de faire des bonnes choses. Et c'est ça l'expression « Hithalech lefanai ». Ça veut dire « marche devant moi ». Ça veut dire « Avraham Avinu, il devançait Hachem ». Oui ? Pourquoi il avait été choisi par Hachem ? S'il était comme il était, il n'y avait personne d'autre, à faute de mieux, pourquoi il avait été choisi ? Noah. Ah, il a été choisi parce que lui, c'était comme un tremplin pour arriver à Avraham Avinu. Il pose une bonne question. Si Noah, il n'était pas un homme extraordinaire, alors pourquoi Hachem il l'a sauvé? Il l'a sauvé, c'est juste pour arriver à Avraham Avinu, hein? Parce qu'on dit Asara Dorot, mais Adam, Ad Noah, et tous ils n'étaient pas bons. C'est le Asara, hein? C'est peut-être le meilleur qu'il y avait disponible. C'est ça. On dit le borne. Le borne au pays des aveugles. Il n'y avait personne d'autre. Alors ils ont dit Yalla Noah Yamod. On lui a donné. Ok, Davar Aher, Gdola Mila. Le monde il a été créé pour la Brit Mila. Ça veut dire si ce n'était pas la Brit Mila. Maintenant il faut comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde il a été créé pour la Brit Mila. Alors moi j'explique ça de la manière suivante. Écoutez, c'est quoi le message de la Brit Mila? Nos rabbins, ils posent une question. Si Hachem, il voulait que nous soyons circoncis, alors pourquoi il ne nous a pas créés circoncis? Pourquoi c'est nous qui devons faire cet acte? Alors, il y a un livre qui s'appelle Sefer HaHinuch. Il explique les raisons des mitzvot. Il dit, le message de la Brit Mila, il est très important.
Ça veut dire Hachem, il nous donne la vie, on est né, comme on dit, il y a trois associés, les parents, ils donnent le corps, et Hachem, il donne la vie, la neshama. Hein? Mais Hachem, il nous dit, je vous ai créé dans un état qui n'est pas parfait. Et vous, vous devez, et même le monde entier dans lequel vous allez habiter, il n'est pas parfait. Et c'est à vous de perfectionner ce monde comme vous devez perfectionner votre corps. Ça veut dire que Hachem, il ne nous a pas créé parfait et nous-mêmes, on doit faire la Brit Mila. Ça veut dire que Hachem, il nous a donné de l'espace. Il nous a donné des opportunités pour perfectionner soi-même. Ça veut dire que... Alors, vous comprenez cette idée ? Alors, c'est ce qu'elle dit, la Gemara. Ça veut dire que le monde, il a été créé pour la Brit Mila. Ça veut dire... Le monde, il est dans un état brut. Est-ce que tu peux, par exemple, le pain, ça prend quelqu'un, ça prend plusieurs processus pour arriver à avoir un bagel et cream cheese que nous mangeons tous les matins. Hein? Ça prend tout un processus pour faire un café. Ça prend tout un processus. Il faut amener le café de la Colombie et il faut les mettre dans les magasins et il faut le vendre et il faut le chauffer et il faut lui mettre du sucre. Alors, toutes ces choses-là, si l'être humain n'intervient pas, on ne peut pas avoir ces choses-là. Le monde, il est créé dans un état qui est brut et l'être humain... C'est ça, ça veut dire l'état ken. Alors, c'est ça l'idée. Qu'est-ce que tu voulais ? Il faut toujours, le but de l'être humain est toujours d'améliorer son sort, d'aller de l'avant. Et comme Abraham, il va de l'avant, l'être humain doit faire la partie. Parce que si on était né parfait, on ne ferait rien du tout. On ferait comme quoi des légumes. C'est ça. Alors là, ça fait partie. Ça fait alors c'est ça. Travailler. Parce qu'il fallait donner la parnassa au Mohel. Ok, c'est une bonne raison, je ne dirais pas non. Les Mohalim aussi, ils doivent gagner leur vie. Ok, et d'ailleurs, on a dit une fois, quelle est la valeur numérique de Brit ? Combien ? Non ? Combien de mitzvot il y a dans la Torah ? 613. Valeur numérique de Brit, 612. Bet, c'est 2. Yud, 10, ça fait 12. RS, 200. Et Taf, 400. 612, mais on a besoin de 613. 612 plus la Brit Mila, ça fait 613 mitzvot. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Rabbi Hanania ben Akashi Omer, Kaddish. Ratzah Kosh Baruch Hu Yizakot Yisrael Ficha Chibo Lahem Toro Mitzvot Shen Wana Avetz Ma'at Kuyagdil Torah Ve'adir. Yitgadal.